Salut la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais plutôt superment bien. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire que vous m'avez énormément manqué et j'espère que c'est réciproque. Et aussi, nous sommes vraiment désolés pour ce longtemps que nous avons passé sans poster de vidéo. Dans l'avenir, nous promettons d'être beaucoup plus constants. Alors, si vous suivez cette vidéo actuellement, j'imagine que vous avez sûrement déjà eu le besoin de construire votre propre maison ou un édifice quelconque qui est le vôtre. Vous pouvez vous poser sûrement la question de savoir quel est le process. Alors, asseyez-vous confortablement puisque dans cette vidéo, nous verrons bel et bien les étapes de construction d'un bâtiment normalisé. Comme présentateur de ce concept, je suis Martin Suigabamouri. Donc, 3 minutes d'architecture, épisode 5, Manita, c'est parti! Avant toute chose, il est d'abord nécessaire d'établir clairement son projet de construction afin de le budgétiser correctement. Cette étape permet de projeter dès le départ le résultat final possible. Pour commencer, il faudra déterminer votre capacité d'emprunt. Cela dépend notamment de votre situation professionnelle et financière, de votre apport personnel, du taux d'emprunt et la durée d'emprunt. Si vous avez des difficultés à appréhender cette notion, pas de panique, j'ai réservé pour vous quelques liens dans la description de la vidéo dans le but de mieux l'appréhender. Au besoin, vous pourrez tout simplement vous rendre vers une banque pour mieux cerner cette notion. Il vous faudra ensuite déterminer vos besoins. Pour cela, vous pourrez mentionner par écrit les critères les plus importants pour vous, tels que le nombre de pièces de chambre, la hauteur, c'est-à-dire étage ou plein pied, et ensuite la superficie intérieure et extérieure. À l'aide de votre liste de critères, vous pourrez maintenant questionner les différents constructeurs de maisons. Cela vous permettra d'avoir une idée du prix de votre construction. D'une façon générale, il faut compter entre 150 000 à 400 000 francs le mètre carré selon les matériaux et le choix de finition. Une fois votre projet bien conçu et budgétisé, il est maintenant temps de s'intéresser au terrain qui accueillera votre future maison ou édifice. Nous vous conseillons de ne pas vous précipiter et de visiter plusieurs terrains avant de faire votre choix. L'idéal serait même de consulter un architecte. Pour cela, vous devez donc vous focaliser sur la localisation et la proximité avec vos lieux d'intérêt, la viabilité, c'est-à-dire le raccordement aux différents réseaux en eau et en électricité, la proximité au voisinage et les potentielles nuisances sonores, visuelles ou olfactives. Une fois votre terrain choisi, vous devez vous rendre chez un architecte. Celui-ci s'entretiendra avec vous dans le but de vous proposer le projet qui répondra le mieux à vos exigences. Ce dernier sera donc considéré comme maître d'œuvre ou maître d'ouvrage délégué de votre projet et c'est lui qui devra diriger la réalisation. De plus, c'est lui qui devra choisir l'entreprise qui se chargera de la construction. Il est important de mentionner que le coût des études de votre projet s'élève entre 5 à 10%. Après avoir réservé le terrain et signé le contrat de construction, il est maintenant temps de trouver le meilleur financement et d'interroger les banques. Pour ce faire, il est possible de faire appel à un courtier. Celui-ci vous aidera notamment à trouver le meilleur prêt au taux le plus bas possible. Avant que le chantier puisse commencer, vous devez réaliser certaines démarches. Le bornage permettra de délimiter clairement votre propriété vis-à-vis des terrains adjacents. L'étude du sol, encore appelée étude G12, vous permettra d'éviter les surprises désagréables, notamment concernant les sols argileux. Si on advient à l'actualité, notamment dans la ville de Douala, nous pouvons remarquer que plusieurs édifices tombent actuellement à cause du fait que cette étude n'est pas prise en compte. Concernant la demande de raccordement, vous devez vous rassurer que votre terrain puisse être raccordé aux différents réseaux en eau, en électricité, etc. C'est durant cette étape que vous deviendrez officiellement propriétaire du terrain acheté. Pendant la signature chez le notaire, l'acte intégral devant vous sera notamment lu. Concernant la demande du permis de construire, pas de panique si vous avez collaboré avec un architecte et une entreprise de construction. L'un des deux s'en chargera. Tout au long de cette vidéo, nous vous avons présenté les 5 premières étapes de construction d'un bâtiment normalisé, à savoir définir son projet pour le financement, l'achat du terrain, la consultation et la collaboration avec un architecte, l'obtention d'un prêt et la démarche avant les travaux. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo est que la construction est un process qui nécessite plusieurs étapes avant même l'entame des travaux. Ces dernières sont plutôt très importantes car elles sont comme le socle même des travaux proprement dit. Il est aussi à noter que ce milieu d'un architecte vous permet de rester dans les normes, la légalité et la sécurité. Dans l'épisode 6, nous vous présenterons les étapes de construction d'un bâtiment normalisé pendant les travaux. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager dans le but de m'encourager. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette page, n'oubliez pas de le faire et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos vidéos en temps réel. Entre-temps, portez-vous bien et rendez-vous à l'épisode 6.